Aujourd'hui, une nymphe pour aller pêcher sur le fond, que j'ai intitulée la gratouille et qui porte normalement le nom de la roulette. Effectivement, c'est une nymphe qui va descendre et qui va venir taper un petit peu dans les cailloux et qui va rouler sur le fond du fait de son poids et de sa forme. Alors, je vais prendre un hameçon type descend. Voilà, donc légèrement courbe. Vous pouvez utiliser des hameçons un peu de formes différentes selon votre convenance. On va aller de la taille, alors vous vous doutez, c'est une grosse nymphe, on va aller de la taille 14, on peut aller jusqu'à 10 selon les rivières que l'on fréquente. Je vais utiliser un fil de couleur, un fil en 6-0 de couleur olive, classique, et je vais, pour vous faire, poser mon fil et ensuite je vais venir faire 6 tours de plomb, 60 centièmes. Donc vous voyez, c'est quand même assez gros et ça va bien descendre. Pour faire le corps, je vais prendre un substitut de Condor Olive. Je vais venir prélever une fibre ici. Et je vais positionner ma fibre pour venir simplement former mon corps. Alors vous remarquez que je ne mets pas de cercle. Vous pouvez mettre des cercles. On peut même utiliser un petit tag orange pour ceux qui le souhaitent. Il n'y a pas de problème. Ça peut le faire. Alors là, ce que je vais faire, regardez, je passe sur mon plomb afin de l'immobiliser. Comme ça, là, je suis sûr qu'il ne bougera plus. Voilà. Et en même temps, je vais venir former un corps légèrement conique en direction du plomb, pour que la forme de la nymphe soit le plus réaliste possible. Voilà. Je vais mettre tout simplement un petit peu de colle pour bien fixer la fibre de Condor. Et je vais venir former mon corps en spire jointive. J'espère que je passe pas trop devant et que vous voyez bien. Donc tranquillement, je remonte sur la partie conique et je viens former un corps légèrement duveteux. Et vous voyez la partie large de ma plume va venir s'installer tout doucement au ras de mon plomb. Voilà, et je bloque. Donc là, je suis bien au ras du plomb. Et j'ai fait mon petit corps. Ensuite, je vais tout simplement prélever une plume sur un coup de coque indien. Alors je vais voir pour prélever une plume. Alors là, je vais prendre un coque indien couleur miel. Mais vous pouvez très très bien prélever sur du gris. Voilà. Moi je prends du miel parce que c'est ce qui va en couleur ressembler le plus à la tête que je veux faire. Voilà, donc je prends hop une plume de coque miel, coque indien, hein, faut que ça soit souple. Et je vais venir placer face à moi. Alors là, c'est le paradoxe par rapport à d'habitude. D'habitude, on met la face brillante. Là, je mets la face terne face à moi. Et vous comprendrez pourquoi après. Je pose et je viens remettre ici, à quelques millimètres de l'œil. Je vais venir, avec ma pince à hacle, enrouler mon hacle miel. Comme ceci. D'accord, vous voyez, ça fait des grandes fibres. Alors, pour l'instant, vous vous demandez un petit peu où je veux en venir. Je reviens vers l'arrière. Hop. Voilà. Je vais bloquer ici. Deux petits tours de vent et je coupe mon excédent. Alors là, me direz-vous, ça fait une sacrée collerette. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est pas du tout, du tout, du tout une collerette. Je suis en train de faire, mais un thorax. Donc je récupère toutes mes fibres que je ramène vers l'avant.
pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. Alors là, le plus dur, c'est de réussir à attraper le maximum de fibres pour couvrir votre thorax et vous bloquer sur l'avant. Ce qui fait que, vous l'avez compris, votre plomb est complètement couvert par les fibres. Donc maintenant, je vais venir couper l'excédent. Alors n'ayez pas peur des petites fibres qui vont rester. Je vais vous expliquer après comment on va faire pour les enlever. Je fais une petite demi-clé pour bien que ça tienne. Là, et je vais venir faire tout simplement mon nœud final. De façon à former la petite tête. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire pour enlever tout simplement mes petites fibres qui sont en tête, je vais prendre ma fameuse cuillère et avec, hop, voilà, je viens brûler ici toutes les petites fibres qui pourraient gêner mon œillet. Je termine par une petite pointe de cyanolite pour que ma mouche tienne bien. Et ma nymphe est terminée. Alors, à monter selon, en olive, en jaune. Vous pouvez monter, alors j'en fais une qui marche très très bien aussi, qui est montée comme ça, mais avec le corps en jaune et la tête en noir, avec un gros hacle noir. Ça marche très très bien. Vous pouvez faire blanc et noir aussi, le contraste est tout aussi efficace. Voilà, la roulette ou la gratouille, je vous la montre sous une autre... Voilà. Bonne pêche à tous!